Aujourd'hui, les membres sont très contents de se réunir au Chinese Business Club. Les webinars, c'est bien, mais vous rencontrez personne. L'intérêt du Chinese Business Club, c'est de rencontrer des gens en vrai, en physique, et surtout, c'est à force de se voir et de se revoir qu'il y a des opportunités, des synergies qui se créent entre les membres et les participants. 首先呢，我非常的荣幸能够再次来到法华俱乐部。我觉得中法的交流在法华俱乐部这样的一个平台上得到了一定的升华。我们在做中法之间的贸易、中法之间的业务拓展的过程中，我们需要更多的互相的了解。Le marché chinois pour le groupe Estelder est le premier marché en termes de chiffre d'affaires. Bien comprendre la Chine, pénétrer les tendances, pénétrer la compréhension du consommateur. C'est ce qui m'a intéressé à accepter l'invitation. Nous sommes ravis d'être de retour au Chinese Business Club. Ça nous permet de reprendre contact avec nos clients et nos partenaires chinois de vive voix. Et c'est très important. Le business est là. Nous sommes fortement sollicités pour faire de nouveaux films en langue chinoise diffusés sur les réseaux sociaux en Chine et dans les avions Air France pour préparer au mieux le retour des clients, des consommateurs et des touristes chinois en France. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas organisé d'événement pour le club. La dernière fois, c'était au mois de septembre. Aujourd'hui, on est très content de recevoir Shi Weilang, le président France de Huawei. Pendant cette crise du Covid-19, notre quotidien a basculé en ligne. Nous avons réalisé à quel point les réseaux sont essentiels au maintien de nos activités les plus simples. Je vous remercie pour votre attention. 5G呢，对华为来说非常的重要，但是不单单对华为，对整个法国的社会以及全世界人类都很重要。所以这块呢，我希望大家都能够有一种开放的心态，来拥抱新的科技，给人类创造更多的财富，以及包括创造更多的效率。第一次疫情之后。 然后能够重新的参加回到这个Chinese Business Club，对所有人都有一个非常重大的意义。On a d'ores et déjà bloqué les trois prochaines dates, le 8 juillet avec le professeur Didier Raoult, le 24 septembre avec Alexandre Ricard, PDG de Pernod Ricard, et le 8 novembre, l'invité d'honneur sera Nicolas Sarkozy.